Ok, ça c'est dans Massachusetts et alors on parle Illinois ou bien dans Massachusetts ou bien de l'autre côté ou bien Minnesota. Eh bien, groupe congressman ça a été réuni tout près congrès devant congrès hier après-midi pour être réagi et au moins non seul bagarre, au moins d'administration que mais juste ça n'est pas aidé, il seulement contribué à plus de problèmes toujours parce que le papoté aux solutions. Donc au moins d'administration au lieu pour empêcher mon vie de demander asile parce que les États-Unis sont réputés comme côté qui est censé aider mon chercher cap, chercher protection. Je dis que ça, c'est ça le fait, c'est écrater la pécrater mon hôpital. Donc, je me demande d'administration pour retourner sous décision. Et ils ont menacé. Ils ont dit que s'ils ne pas retourner sous décision, ben, ils peuvent aller dans le tribunal. Jean que ont fait déjà sous administration Donald Trump, là, tout le temps, pas mis du sérieux, bien, ils allé dans le tribunal avec. Il y a plusieurs monde qui témoignaient. Et c'est monde qui est entré dans le pays illégalement, avec parents, un parlementaire, un député qui sorti dans Chicago. Il y a un autre parlementaire qui lui-même c'est un réfugié, qui est entré ici aux États-Unis comme réfugié, avec parents. Et lui-même tout, lui parle et tout. Et puis il y a LGBT. LGBT, c'est bon. C'est mon garçon, ma commère, mesdames, mon compère. Alors. Pas de mesdames, non. Alors, c'est groupe qui représentant garçon Macron avec mesdames, mon compère, avec l'autre monde, le bisexuel, ou bien encore monde qui straight, monde qui, mais monde qui groupe ça, il était parlé tout, et même il dit que, et mesure ça, il détruit au lieu que il résout le problème. Donc, c'est des réactions et groupe. Une autre réaction encore, c'est, et gouverneur, et député, magistrat, monde qui est censé sortir sous frontière et qui connaît le problème immigrant. Eh bien, il était tout dans la Maison Blanche, il était sur invitation, puis il était venu et il était pas là avec la presse. Côté que, puis même il dit que je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Même si, au fond, il n'a pas résolu le problème. Le problème crise migratoire, là, ou bien ce problème sécurité sous frontière, là, pas résolu. Dès qu'il n'y a pas résolu, parce que ça ne va pas empêcher les gens de continuer à venir, les gens continuent à venir. Enfin, je dis à comparer à 2015, 2016, là, par exemple, t'es gagné, c'était immigré, t'es contre ceci en Amérique latine, ça a été les triangles. Eh bien, bon. Je dis à gagné immigré qui sorti plus loin que ça. Ben, la vie nouvelle net, et gagné immigré qui sorti en Europe, par exemple, en Ukraine, gagné immigré qui sorti en Afrique. Il y a des immigrants sortis en Asie, la Chine, l'Inde, même si c'était quelque chose. Donc, ce chiffre-là, il dépasse, je veux dire, et le Mexique, censé qui c'est censé pays voisin, qui est facile pour que les immigrants arrivent, eh bien, le Mexique, lui-même tout, il n'est pas rarimbé. Il y a un nouveau président, son femme, et en plus, le monde espère qu'il pourra essayer de contrôler le flot immigrant, parce que c'est une barrière que l'administration travaille, ça avec le Mexique. Pour contrôler faux immigrants qui arrivent sous frontière. Donc, si Mexique est capable de contrôler, eh bien, ça est capable de gagner moins de monde qui arrivent sous frontière. Eh bien, bon. Donc, quand c'est des immigrants, ça, le chiffre n'a pas résolu. Donc, c'est ça que, par député ou bien encore, magistrat communal, il faut connaître que dit, mais il croit qu'ils ne sont pas dans la bonne direction. Donc, je pense ça, et je vais retourner sur le dossier ça, parce que hier, j'étais dans la Maison Blanche, j'ai fait un reportage. Et justement, j'étais, en bref, ça que tu dis, mais je ne vais pas aller en profondeur. Je dis, je vais aller en profondeur, côté nous, il faut attendre, voir tout le monde tout qui est concerné et qui parle de dossier. Il y a tout, et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, tout, qui reconnaît que c'est droit États-Unis qui pour le contrôle des frontières. Mais il dit que, mais juste ça, il peut empêcher et moun cap chercher, il va chercher moun cap chercher et protection internationale empêcher aux jeunes accès pour ta fond demande de comme réfugiés aux États-Unis. Donc c'est réaction agence l'ONU pour réfugiés au fait sur question c'est là. C'est tout bas ça. Donc rendez-vous info pour semaine. C'est une semaine qui était chargée. Et dans l'actualité, à charger l'actualité dans le pays d'Haïti, à charger tout dans l'actualité internationale. Et pendant ce moment, nous connaissons que nous avons eu une installation officielle, Premier ministre Gary Conny, avec tout le membre du cabinet ministériel dans la ville d'accueil. Et il a pris environ 2 jours pour l'installation qui était capable de faire. Il
y a une première installation qui fait dans la ville d'accueil et puis après ça, respectivement, dans le local ministère. Donc on a des problèmes qu'on a dans la question local ministère ou pas même sous en dehors pays ou quand même qu'on est côté eux même parce que nous connaissons d'après rapport Nations Unies même et d'après l'autre rapport organisation internationale gang contrôlé pour te parler Nations Unies te parler de 80% mais les plus que 80% qu'on a et qu'on a dans texte cap sorti yo dit que yo presque contrôlé toute capitale là. Ceci dit que yo pa gen gouvernement pa gen les coups de franche pas capable n'importe qui côté donc c'était yon gros causé semaine ça et konya c'est vérité sous tabou équipe Gary Conil là li monté sous pouvoir et ont commencé à prendre des décisions et konya équipe intérimaire là aller konya ou fait place pour équipe et Gary Conil avec nous connaît que gagne 18 ministères, gen 14 ministères, 14 ministres, gen 10 filles avec 10 garçons avec 4 filles, mais gen l'autre nomination encore qui fait, gen pile l'autre surprise qui fait dans question nomination. Donc c'est ça la politique à la mode de chez nous et gagner l'autre nomination qui fait encore n'a pas su. Bon ça n'est capable signaler c'est que hier Premier ministre Gary Conil a participé dans une séance de travail par rapport à la saison cyclonique là qui commençait depuis le 1er juin qui s'est passé là. Donc docteur Gary Conil a pris avec équipe li, non seulement équipe gouvernementale mais toute organisation qui est attachée à question et secours désastre secours et autres pour ouais est-ce que si pays a frappé par un cyclone ou une catastrophe naturelle est-ce que nous répondons pour nous capable faire face à lui-même. Donc c'est en gros et ça, docteur Gary Conil a participé là-dedans hier après-midi. Et là, bon, reportage plus devant sous question ça. On nous parlait de actualité internationale là, gros événement dans la semaine. Et bon, gros événement qui est très particulier, qui c'est Washington. Washington a été accueilli et ancien président républicain. Donald Trump qui était paraît dans le Capitole là, eh ben c'est la première fois qu'il retourne dans le Capitole là après gros déblosay. Ça, en plus, monde les insurrections qui étaient faites dans le moment que vous avez confirmé la victoire de Joe Biden dans l'élection 2020. Eh ben 6 janvier 2021, c'est un déblosay qui était fait et jusqu'à présent, c'est une question que l'Amérique pour qu'on finisse digérer. L'Amérique a vivre toujours parce qu'elle toujours dans le tribunal, toujours une discussion qui a fait sous lui et on rappelle souvent. Et nous voyons que l'ancien président Donald Trump est paraît dans Capitol Hill là, n'a parlé de Congrès américain. Et ben ça objectif lui c'était une invitation qu'elle te recevoir et au tap républicain yo connait y a étudié stratégie non seulement pour reprendre la Maison Blanche, ça veut dire que dans élection novembre 2024 là, pour Donald Trump qui t'a pratiquement ou capable représenter et parti républicain dans élection ça yo, et ben pour ta reprendre pouvoir et pour consolider force en dedans et Congrès américain. Donc et grand pile stratégie, grand pile causé qui parlait, grand pile l'homme qui bat, bah grand pile rappel tout qui fait parce que il y a des monde qui était en position X et je dis à en position Z. Donc journalistes eux-mêmes dans travail yo rappelé ça. Donc c'était un grand moment et c'était un élément fort dans l'actualité aux États-Unis côté nous te gain gentil Augustin Junior qui était lui-même était sous place pour te faire nous vivre et causer cela. Donc c'était avant-hier après-midi. Et puis gros nouvelle là c'est G7 là, c'est une grosse réunion qui fait dans Apulia dans zone dans tout près en ville les Barry, mais c'est un resort d'un côté que luxueux gros bagage. Et ben pays, sept pays qui plus industrialisé dans le monde, yo, et ben yo te là, te gen pile invité spécial dans occasion G7 ça. Et invité spécial au premièrement c'est ta na retourné sous lycée et pape François qui était là, c'est première fois on pape et a participé dans réunion comme ça. Bon, nous imaginez nous que la fête en Italie. Et ça nous capable capable ouais en dans sommet ça. Eh ben, nous sommes capables de voir que tout leader G7 a gagné un yeux fixé, premièrement sur les deux guerres.
et n'a parlé de guerre et invasion la Russie dans le pays Ukraine et puis guerre Israël Hamas. L'autre point encore c'est la Russie. La Russie, il dit que l'invasion fait dans le pays et Ukraine et puis gagner et Volodymyr Zelensky président ukrainien qui était un invité spécial. Il rencontre avec un pile monde dans des rencontres bilatérales, notamment ici un accord de sécurité avec Joe Biden, président américain. Il rencontre tout avec Pape François et il parle, il discute. Et après réunion, Zelensky dit que il est content de discuter avec chef de l'église catholique, là, notamment il a discuté sous invasion la Russie. Dans le pays Ukraine, ils ont discuté sur salaire les terroristes aériens, ça veut dire offensive aérienne que la Russie a fait dans le pays Ukraine. Et puis tout, ils ont parlé tout de et sommet qu'a fait Konya là, un sommet ça veut dire sommet la paix qu'a fait dans le pays la Suisse. Faut dire que Volodymyr Zelensky déjà dans le pays la Suisse côté que l'a participé dans le sommet. Il y a un autre élément très important qui était dans mi-temps yo. Et c'est question de la Chine. Yo, non seulement yo critiqué la Chine d'est-ce que l'a soutenu la Russie dans l'invasion, dans l'invasion que l'a fait dans le pays Ukraine, mais yo critiqué la Russie de la Chine plutôt d'est-ce que l'a utilisé exportation que qui fait, il pas fait dans les normes, il pas respecté éthique internationale yo, et tout leader G7 yo même yo gen yeux fixé sur deux pays ça yo, la Chine comme un pays qui a fait transaction commerciale mondiale dans non-respect des normes, et puis avec la Russie tout, yo même que yo estimé qu'il a fait une invasion. Et yo même saisi, bien yo et 50 milliards de dollars que y'a bail la Russie, bon gagné un temps qui fait sous ça pendant le sommet G7. Mais pendant le sommet G7 là tout, gagné Jodia et Pape François qui prend la parole. Pape François prend la parole côté que lui mandé pour contrôler question intelligence artificielle et pour yo il dit nan un conflit armé comme ça un conflit armé côté que gan pile coup d'âme cap tiré il dit que li pata doit utiliser ça les armes autonomes l'état la debout elle qui va tuer monde donc il dit une machine pas de droit jambe choisi pour capable retirer la vie yon chrétien vivant. Donc yon l'autre fois encore et gagné Pape François prend la parole contre question intelligence artificielle là et c'est gros discours journée nous connaît pratiquement c'est pour le dernier journée demain pour le gagner ça ou les déclarations il y a toujours une déclaration et finale que vous fait dans fin et G7 là. Donc Pape là te prend et la parole. Donc faut nous dire que grand pile rencontre qui fait par exemple, on a signalé que il y a une rencontre qui fait par exemple entre président Joe Biden avec premier ministre italien Giorgia Meloni, gagné tout et Pape là qui rencontré avec Mounsayo directeur général Fonds monétaire international Kristina Lina Georgieva, gain président ukrainien tout qui rencontre avec Pape là me dit nous déjà, président français Emmanuel Macron qui fait une rencontre tout qui parler avec Pape là, gagné Justin Trudeau du Canada qui au même tout et puis pas oublier tout Ariel Milley qui n'a discuté qui n'a problème actuellement là dans le pays avec gros manifestation qu'a fait pour réforme que l'a fait bien que depuis le monté sous pouvoir c'est première fois que je joine un gros soutien comme ça dans mes parlement donc monsieur en grande difficulté mais monsieur pas démordé il avait dit il pas quitté ça l'a fait programme que le gagne et programme austérité que le gagne et ben lui même l'a suivi. Il dit que c'est comme ça pour faire payer. Donc, monsieur tout est en Italie et monsieur est rencontré avec et Pape François. Il n'y a pas de rencontre bilatérale vraiment, mais il a été fait rencontrer dans le couloir là. Il a été fait tête collée de Argentins. Bien que nous connaissons, il y a une histoire ensemble parce que Milley a été critiqué et critiqué en pile. Mais il a été réconcilié parce que Milley a visité Pape là dans le Vatican et qu'on y a rencontré en Italie et dans le sommet. Et G7. Et puis, l'autre fait que nous capables de signaler, c'est que gagné président ukrainien, Volodymyr Zelensky lui-même, qui rejetait avec un pile force une proposition que le président Vladimir Poutine a fait pour
pour lui-même pour t'a céder une partie dans territoire. Il dit que son ultimatum tant que Hitler te fait parce que Hitler te fait tout dans question Tchécoslovaquie à côté de manquer on mandé au parti Tchécoslovaquie. Il dit quoi que lui-même il rejeté ça, c'est un ultimatum et dans Jean Hitler te fait pour Tchécoslovaquie. Et puis n'a pas aller tout que gagner question immigration te vinn sous tapis à tout parce que pas gagner immigration seulement au niveau frontière États-Unis partagée avec Mexique. Pas gain seulement en Amérique latine, mais gain l'autre immigration qui a fait tout au niveau de l'Europe. Nous connaissons pas quel pays africain a pu entrer en Europe. Donc, question immigration, tout, il devine sous tapis pendant sommet ça. Et puis, l'autre point encore que et nous capables de signaler, et en nous quitter G7 là, bon, G7 là pratiquement pour le fini, demain pour le gain, une déclaration finale, mais il y a agence de presse qui gantan joindre plus ou moins texte là, ça ou le draft là, projet de déclaration finale là, lui même li gen la donne, c'est même bagaille gen la donne, c'est déclaration finale côté que groupe là, à part de groupe G7 là, on dit que dans G7 là, on paquet l'autre monde qui était notamment gen Kenya tout. Kenya nous connaît qui va prendre tête force multinationale là en Haïti, il était présent tout. Donc, c'est pour dire que nous avons un paquet de monde qui était là, un paquet de monde qui était là dans la cause. Donc, nous disons que la déclaration finale, là, c'est l'équipe leader G7 qui dit à mettre ensemble pour combattre un paquet de bagailles. Non seulement, vous voulez combattre la question de la Chine, j'en ai fait transaction commerciale, vous voulez combattre tout un paquet d'hégémonie qui gagne, vous parlez de ça en français, résilience économique, pour battre une résilience économique. Donc c'est autant de points qui prennent dans la déclaration finale là. C'est toujours un grand moment, c'est toujours un moment de grande rencontre et avec les grands de la terre et avec représentants sept plus gros pays, nous t'es capable président Joe Biden naturellement, nous t'es capable Justin Trudeau du Canada, Emmanuel Macron et de la France et nous t'es l'autre. Monsieur tout gain co-responsable Union européenne, tout est là dans gros rencontre ça, c'est la rencontre vraiment des grands qui te gain. Et nous te dit que deux gros invités, c'est d'abord Pape François qui était c'est première fois ça c'est l'histoire, c'est première fois on pape et prend la parole dans gros réunion ça. Et puis te gain tout Volodymyr Zelensky qui pratiquement dans toute grande rencontre internationale presque et parce que gain elle va là dedans. Mais en général, tout plus grand compte international et que l'Occident a patronné, eh bien, l'île a dans tout. Donc, il était là et il a quitté l'Italie pour virer à côté, là, en Suisse, où nous connaissons que la Suisse partageait une frontière avec, avec l'Italie. Il y aurait les Mounsaou, les Tessinois, les Mounsaou Suisse qui est dans la zone Italie. Donc, la Suisse a et grand pile gros monde qui gros autobre gros personnalité cap nan rencontre ça et font dit tout que le président Joe Biden lui-même et yo dit à l'âge 81 l'année monsieur a fait de grandes navettes, monsieur était en France là pour le 80e anniversaire débarquement Normandie de D-Day et puis qu'on y a même se retourner encore pour G7 donc monsieur a voyagé en pile à 81 l'année, il faut le faire. Et puis il y a un autre point qui domine l'actualité pendant ce maintenant c'est premièrement faut nous ranger ensemble, c'est premièrement et gagner bateau et une frégate et russe qui dans zone Caraïbe là ils vont faire des exercices militaires et il y a plus ou moins beaucoup de qui dans zone Cuba et dans moment n'a parlé là tout gagner un sous-marin la mer américaine qui a accosté dans baie Guantanamo. Il faut dire que le département d'état Pentagone dit que exercice ça va pas représenter un danger. Il n'est pas représenté un danger pour les États-Unis. Mais il arrive que, et pour les gens qui ont observé, ils ont dit, bon, premièrement, qu'on ferait quatre avec un navire et avec toute capacité nucléaire qui entrait dans la zone qui arrive à Cuba. Et c'est dans le même moment ça tout que les États-Unis, lui-même, ils ont un sous-marin qui a causé dans la baie Guantanamo, dans Cuba, dans le cadre d'une démonstration de force. Ils ont dit, pendant plusieurs bateaux, la guerre russe entrait dans Cuba pour faire exercice militaire pour qui ont été planifiés dans les Caraïbes. Et gagne position qui bat gagne commandant sud des États-Unis qui fait connaître sous-marin USSS Elena
qui c'est un sous-marin à force nucléaire, et bien, t'es arrivé dans la base américaine dans Cuba hier jeudi. Et on dit déplacement fait un jour après un frégate russe, un sous-marin qui a une capacité nucléaire, un pétrolier avec un remorqueur secours qui a traversé, entré dans l'eau là avant, après exercice qui a fait dans l'océan Atlantique. Donc, c'est débat pour nous suivre très près. Et puis, l'autorité Pentagone dit exercice la Russie. Pas présenté aucun problème pour les États-Unis. Donc, en gros, et c'est ça nous avons comme nouvelle, nous connaissons dans la région Moyen-Orient, eh bien, il y a toujours un problème et guerre Israël-Hamas, malgré tout que ils ont fait des pas en termes de négociation, bien que pourquoi abouti, mais ils ont fait des pas pour négociation qui a été faite entre Hamas avec et pays Israël. Mais toute bagaille ça a fait pendant que Israël dit et Netanyahu, Benjamin Netanyahu qui c'est premier ministre et israélien dit son seul bagaille gain lui-même c'est exterminer Hamas et côté pour le finir c'est ratiboiser Rafah. Donc c'est en gros ça nous te gain pour jodia comme information et moun ki remen boulyo pour le gâter avec deux grands championnats très qui provoquent pile passion. N'a parlé de Copa América d'une part et puis Coupe d'Europe d'autre part. Dans Coupe d'Europe là, c'est sûr que on va suivre yon Kylian Mbappé, spécialement après que le fin quitté Paris Saint-Germain, qu'on y a son joueur Real Madrid. Et puis nous va suivre tout et Vinicius Junior qui a joué tout dans Real Madrid mais qui va jouer pour le Brésil. Et qu'on question de ballon d'or dans l'air. Donc et une pile raison pour nous suivre de très près et compétition ça yo. Deux grandes compétitions, Copa América et puis Coupe d'Europe des Nations. Donc, nous pratiquement arrivés là. Merci pour tout le monde qui était branché dans live là, dans live tout chaud. Merci, nous content, ça fait nous un pile plaisir. Nous demandons toujours continuer et brancher, toujours continuer avec nous. Et parce que nous gagnons nouvelle boue, nouvelle qu'on est capable de faire confiance. Nous remercions tout le monde qui était branché. Nous souhaitons nous passer un bon week-end. Et pas oublier à 4h tapant, nous allons gagner Jean-Aubert Philippe. Qui pourra présenter nous dernière édition et pour ce maintenant de Rendez-vous Info. Moi c'est Jacques Belizère. Un plaisir une fois encore pour nous souhaiter nous tout passer. Nous avons parlé tout avec Galine Joseph qui est responsable de Chine Brise Alliance. Donc il y a l'autre dossier qui est en cours. Nous pas oublier qu'il y a un dossier là, par exemple, l'administration qui fait annoncer hier. Mais il y a l'autre dossier tout qui devant toujours et qui a des démarches qui a fait pour même qui a gardé là. Dossier pour et monde qui gagne dossier TPS yo la pour renouveler et dossier TPS ça ou bien encore la pour considérer on sait le pays et dans nouveau programme TPS ça donc nous pour connaître n'a pas pour nous qui les administration et qui pour faire une annonce pour dire oui ou non la pour renouveler donc second dossier TPS en mon et que l'expiré qu'on y a bien permis de travail expiré bon rappelons que nous toujours renouveler permis de travail là en attendant. OK. Donc, renouveler le travail là en attendant. En attendant qu'aux jeunes, on réponde pour qu'on ait ça qu'à faire, etc. Donc, c'est ça. Et puis, pour les gens qui ont un programme, qui ont un programme Biden, tout, donc nous encourageons tout. Continuez à prendre rendez-vous, continuez à tendre, sauf si c'est un programme Biden. Nous, et sur ce frontière, l'administration conseille. Elle demande à faire application. C'est-à-dire que loi que décret présidentiel n'a pas affecté. Donc, ça veut dire qu'elle demande. Et on doit toujours continuer à faire demande pour venir prendre rendez-vous, pour venir demander asile sous frontière. Donc remplir l'application CBP. Voilà, c'est ça. Et puis dans le pays d'Haïti, bon, il y a toujours attente que le gouvernement a mis sous pied, a annoncé membre cabinet ministériel là, et premier ministre Gary Conny, de rencontrer avec le conseil présidentiel. Et conseil présidentiel là, donc on manque de transition. Hein. Donc ils ont rencontré avec eux et ils ont discuté. Ils parlent de nécessité pour réduire ça les dépenses gouvernement. Donc premier côté gouvernement dépense en pile l'argent, c'est gouvernement et c'est gouvernement lui-même qui est trop grand, qui est trop gros par rapport avec conditions économiques pays. Donc ça veut dire 18 cabinets ou 18 ministères. Eh bien, pour le ministre, discuter avec
et conseil présidentiel transition pour y réduire. Bon, finalement, après tant de discussions, etc., donc finalement d'accord pour y mettre à 13 ministères au lieu de 18 qui vient qu'on y est là. Donc c'est la discussion. Ensuite, le premier ministre Gaël Conné dit, lui-même, il peut le mettre, il peut le discuter pour le dire, mais et profil ministre qui parle dans le gouvernement, même profil. En tout cas, tout secteur a sorti dans la rue qu'on y a là pour faire tant de voix, pour dire pas oublier yo. Mesdames, yo sorti dans la rue pour dire gouvernement pas oublier pour respecter 18% et ou bien 33% constitution en dit pour nous faire partie du gouvernement. L'autre secteur dit pas oublier, par exemple, l'association avec eux dit pas oublier nous. On va pas oublier nous. Et il faut qu'on ait un ministère pour mon handicapé, par exemple. Donc tout le monde qu'on y a là, sorti. Mais tout le monde. Apparemment dit, bon, on a pas le gouvernement une chance. On a pas le gouvernement une chance pour lui démarrer. Et selon ça, qu'il a fait, nous allons prendre notre décision puis devant. Mais, le premier ministre Gaïkoni dit, il y a une mission. Et la mission lancée d'abord réussie. Et réussie, donc, il s'est réalisé des élections. Et les élections, vous pouvez voir que le 7 février 2026, tu as gagné un nouveau président. Y compris l'autre institution parlementaire, etc. Tout est actuellement pas gagné. Donc, il croit que d'ici là, il y a eu trois cas démarrés. Premièrement, mettez sous pied le conseil électoral provisoire, travail sur question de sécurité, programme en calendrier électoral, et puis les élections, etc. Donc, voilà, c'est là, nous y est. Et puis, entre-temps, la communauté internationale travaille tout, gagne un soldat kenyan, ou encore kenyan qui vient pour y venir en tête, force sécurité internationale là, pour garantir, aider la police nationale à combattre gang, qui ont tient à diminuer l'activité de cette aussi, ça pas veut dire que continue, pas continuer à opérer. Et puis, t'es gagné deux missionnaires qui étaient morts avec un haïtien, qui étaient morts en Haïti récemment. Et ben c'est jeudi, le funérail a fait aux États-Unis, donc quoi, t'es arrivé l'autre bois, t'es arrivé ici, t'es semaine passée, on commence en semaine, là. Et ben c'est jeudi, le funérail, et missionnaire ça a fait. Et puis, nouvelle là, c'est ancien président Donald Trump, monsieur mon compte TikTok. Et nous connaissons les États-Unis actuellement à fond, il faut pour éliminer ou bien encore interdire TikTok fonctionne aux États-Unis à cause conflit ou bien possibilité qui gagne pour que TikTok ta ou bien pour que information et américain yo ta tombé en bas main gouvernement chinois qui semble gon pied gon jet sous lit ou bien si c'est pas pour lui même mais et yo te baillé jusqu'à Congrès même parce que même une proposition de loi qui baille jusqu'à l'année prochaine pour que organisation pour que application ça les passer en bas mais y ont américain de préférence mais cependant dernièrement et organisation TikTok là lui-même et bien été présenté ou bien encore ils font bail pour dire que ils ont pas séparé et TikTok États-Unis avec TikTok asiatique là pour montrer volonté que le gouvernement et chinois n'a pas accès dans le dossier ou bien dans l'information et public américain parce que on parle de plus de 100 millions de monde qui fait partie. N'a dit que le président Biden n'a pas un compte TikTok, mais campagne il y a un compte TikTok. Alors, l'importance, c'est un côté que on est capable de contacter les électeurs. Donc, c'est ça, président Donald Trump, ancien président Donald Trump fait. Et c'est ça que l'administration Biden a déjà fait déjà. Mais c'est pas président Biden lui-même, même c'est pas contre Paul, son compte que campagne a fait. C'est justement parce que, dans la campagne citoyenne, c'est des jeunes. Et c'est des jeunes qui pourraient forcer des électeurs potentiels. Donc, l'administration fait. Et puis, il y a des marches qui ont fait là, qu'on y a, soit fait pour ces président Donald Trump, etc. Qui a mené campagne qu'on y a là, pour l'ouer, dans qui mesure que capable de remplacer, ou bien encore, est-ce que possibilité pour le capable de remporter les élections, même là, que le gain pour le présenter devant le juge, devant le juge Lee dans New York et 11 juillet, justement pour la sentence que le tribunal a pris compte, puisque j'ai adhéré que le coupable pour nous causer Stormy Daniel là, ou bien causer documents, faux documents, mais falsification de documents et l'argent que le TP pour le tâcher, silence Stormy Daniel sur une relation amoureuse qu'elle a gagnée en 2006 et en 2016, elle a présenté candidat et bien il était. Bah, encore, pour tâcher silence, madame, non. Pour madame, non, pas t'as mettre bah, ça dans la rue, parce que si ça était dans la rue, eh bien, très certainement, ça t'a pas affecté. Ça t'a pas affecté,
affecté candidature dans l'élection 2016 face à Hillary Clinton. Eh bien, c'est là qu'on a fait parler avec nous. On va retourner, je dis à pratiquement nous dans le cas là. Et moi, je parle pas surtout de questions et décrets ça, réaction tout sur lui. Et puis, nous avons l'autre dossier, nous regardons pour surtout dans la situation politique dans le pays d'Haïti, avec le Premier ministre Gary Conny qui travaille pour former un gouvernement, qui est maintenant ancien membre opposition qui était proche du pouvoir passé, qui a même demandé pour bah, une chance pour que les mettent le gouvernement sur pied. Mais nous avons tout le monde a cherché à voir si on et Kembe ou Bissi qui est là pour virer. Donc Kembe ou Bissi qui est là pour virer avant, ça ne va pas la gueule. Voilà.